Le Congrès national des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, c'est un événement institutionnel qui a lieu dans notre association tous les 2 à 6 ans. C'est un moment fort pour la vie associative, puisque c'est un moment où on se retrouve tous ensemble, tous les bénévoles, tous les salariés et les partenaires de notre mouvement, pour partager 4 jours, et pour se ressourcer et pour échanger autour de valeurs qu'on a et qui sont communes. Je suis Roxane Depaul, la directrice du congrès 2018, nos engagements pour demain. Je suis Célina Sampedro, co-directrice du congrès nos engagements pour demain. Capucine Rouve, co-directrice du congrès nos engagements pour demain. Donc le congrès de cette année, il a lieu à Miramont de Guyenne. On a réuni pas loin de 600 participants, 80 bénévoles qui se sont engagés du coup au service de ce projet. Sur des parties logistiques, programmes, simplicité volontaire et autres. Compta et finances aussi, c'est important. Au cœur de ce projet, 4 piliers, l'engagement, la rencontre, la démocratie participative et la simplicité volontaire. Pour l'engagement, l'idée c'était de réunir les bénévoles qui s'engagent dans l'association avec le slogan « Nos engagements pour demain ». On a la rencontre parce qu'on accueille des bénévoles de toute la France. On a la démocratie participative avec un temps spécifique sur le rapport d'orientation, puisqu'en 2020, nous allons prendre de nouveaux engagements pour l'association. Donc on construit pendant un après-midi ces nouveaux engagements avec une élection par tirage au sort. Et enfin, on a la simplicité volontaire qui, là, est vraiment partout dans ce rassemblement. Un responsable, ils pourront vous le dire, je pense, mais il y en a beaucoup qui viennent chercher la rencontre de ceux qui sont déjà responsables. Ils viennent chercher l'échange. Ils viennent chercher aussi une idée d'appartenance, en fait, de voir qu'on appartient tous ensemble à une association de scoutisme. En fait, on va au-delà de notre association des éclaireurs et éclaireurs unionistes de France. On voit vraiment qu'on appartient à un mouvement de scoutisme. Ils viennent chercher aussi... tout ce qui est apport par rapport aux ateliers, aux questions qu'ils peuvent avoir sur la société, sur le sens de leur engagement, sur le sens de leur projet à construire. Puis ils viennent chercher du fun, de l'amusement, un bon moment à passer ensemble, puisque c'est beaucoup d'amitié dans les associations de scoutisme. Je pense que nous, ce qu'on peut leur apporter, c'est un remerciement en fait, dans leur engagement. Je pense que nous, on voulait que ces 3-4 jours, ce soit aussi une pause et un vrai moment pour lequel on leur dit merci tout simplement d'être bénévoles engagés dans l'association. Parce que voilà, ils donnent beaucoup de leur temps toute l'année. Et c'était un moment aussi pour leur dire merci. Des ambitions. Bénévolat. De la valorisation. Étoile scout. Valorisation, c'était bon ça, mon petit chaton. Cite les 4 points d'affilée, au cas où on nous censure.